On l'a répété plusieurs fois, les playoffs commencent maintenant. Quelqu'un a dit pour le Standard, les playoffs doivent commencer maintenant, mais c'est vrai. Parce que les points qu'on peut prendre maintenant, ils seront importants. C'est vrai que c'est important, hein, parce que bon, la troisième place, oui, automatiquement, si on fait un bon résultat, si on gagne le match, on restera troisième. Mais surtout pour le nombre de points qu'on veut prendre, si on prend les trois points et que l'un ou l'autre adversaire qui joue en perd, ben, on fait automatiquement une bonne affaire. Est-ce que je peux... Vous savez... Quand je prépare mes matchs, la plupart du temps, quand on a un peu de temps, comme des semaines normales, ben je prépare un match tactiquement et j'applique 15-16 joueurs. Donc je l'ai fait avant le cercle et je l'ai fait aujourd'hui. Et en fonction de ce que je vois, de la réponse que les joueurs donnent dans... la manière dont on veut fonctionner pour tel ou tel match, eh ben je fais mes choix. Je vais maintenant analyser tout ça avec mon staff. Et puis, on prendra les décisions pour l'équipe qu'on va aligner. Mais ça veut dire, quand on dit qu'il y a 16 joueurs qui sont impliqués, ça veut dire que, comme la semaine dernière, il peut y avoir certains joueurs qui jouent et d'autres qui ne jouent pas. Et que cette semaine, ce sera peut-être des autres. Moi, j'estime toujours qu'on doit... quand c'est possible, se donner du crédit. Parce que quand on n'a pas de crédit, on vit le couteau sous la gorge. Et quand on arrive à se donner du crédit, ben dans tout ce qu'on fait, hein, pas seulement dans le foot, je crois, ben, et qu'on peut se permettre de vivre plus sereinement tout en étant concentré et en faisant le boulot le mieux possible. Hein, c'est pas pour ça non plus, quand on a assuré quelque chose, qu'il faut se reposer. C'est pas ça que je veux dire. Mais quand on s'assure un certain crédit, et cette qualification est un crédit, c'est vrai que ça... Il n'y a pas cette épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête. Voilà. Sérénité ne veut pas dire qu'on doit faire moins. Dans la sérénité, on doit faire le travail aussi.